Bonjour Pierre Sandors. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté cet entretien. On sait que vous êtes un auteur très discret et c'est un plaisir de pouvoir dialoguer à propos de votre nouveau roman, L'Énigmaire, qui paraît chez Quidam. J'ai envie de parler du titre d'abord, du texte, puisque ce mot inventé et la racine qui est dedans, l'énigme, j'ai envie de dire que c'est très programmatique. Le lecteur sait déjà un peu à quoi s'attendre. Un peu oui et non, puisque c'est un terme qui est peu utilisé, qui m'est venu... qui s'est inventé de l'intérieur puisqu'il m'est venu à travers un rêve. Donc moi-même, j'étais le premier interloqué par ce terme. Il n'est pas venu dans mon rêve avec une définition, mais avec une certaine charge magnétique. Il me fallait à moi de dérouler et de le décrire, de le décrypter, je dirais. Dans vos entretiens, vous dites souvent effectivement qu'à l'origine d'un texte, il y a une nécessité intérieure, et en l'occurrence, un rêve qui vous a impressionné. Il me semble que le rêve est un élément important de ce texte. Il y a beaucoup de rêves dans le roman, L'Énigmaire. Et vous avez placé ce roman sous il y a deux ombres qui peignent dessus. D'abord Tarkovsky, auquel il est dédié, et puis Little Nemo. Alors moi, j'ai revisité avec beaucoup de plaisir cette bande dessinée que je connaissais très mal, en fait, qui est une des premières bandes dessinées au début du XXe siècle. Et ça m'a rappelé le fait que vous avez fait des études d'art. Vous avez voulu être peintre et vous avez aussi rencontré la bande dessinée. Je crois qu'il y a aussi tout ça de votre histoire, votre parcours qui est dans ce roman L'Énigmaire. Oui, tout à fait. Et puis, il y a différents auteurs. Il y en a qui sont plus sensoriels, auditifs ou alors visuels. Moi, j'appartiens à la catégorie plutôt visuelle. C'est vrai, j'ai fait des études d'art, je voulais faire de la bande dessinée, puis de la peinture. Tout se traduit d'abord pour moi par des images, par des ressentis, par des atmosphères. Et un roman n'échappe pas à la règle. C'est vraiment... toujours des images qui sont récurrentes, qui viennent soit par des rêves, soit pendant la journée, qui ont une charge magnétique de nouveau, qu'il va me falloir explorer, puisque ça rentre en résonance avec des forces intérieures que je connais mal. C'est un petit peu, vous savez, quand je vais dans l'écriture, moi j'écris pour ça, c'est pour un peu comme un animal aller dans mon espace sauvage. Je vais à l'intérieur comme on va dans un espace sauvage. Et dans l'espace sauvage, on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a de l'intelligence, il y a des forces, on va dans l'inconnu. Et moi, je quitte la clôture humaine, la clôture sociale, pour aller m'avancer vers quelque chose qui n'est pas encore nommé, qui n'est pas défini, et qui parfois n'est pas intelligible ou pas communicable. Et c'est ça, pour moi, l'enjeu, l'intérêt d'écrire, d'où les rêves, l'importance des rêves, puisque, comme vous le savez, quand on est visité par ces rêves nocturnes, certes, parfois, pas toujours, on a des séquences, presque des petites histoires, on entrebâille la fenêtre sur quelque chose qui nous appartient, qui est en nous, et qu'en même temps, on va bien au-delà de notre personnage social. Et ça m'intéresse toujours, ces formes d'échappée belle un petit peu à l'intérieur de soi. Est-ce que ça veut dire que quand vous entrez dans ce roman, à partir de ce rêve, de ce mot, vous ne savez pas où vous allez, et que le texte, le livre se construit comme ça, à l'aventure, en cheminant? Oui, je ne sais pas où je vais, mais j'ai des jalons, par exemple ce titre, et j'ai d'autres jalons comme les noms des personnages, ou Little Nemo, le petit Nemo. Ce sont un peu comme des pierres un peu dressées dans le paysage, comme ça, et je sais qu'il faut m'avancer un petit peu entre ces piliers, et qu'une fois que je fais ce voyage nécessaire de l'un à l'autre, eux-mêmes, le chemin se déroule d'une certaine manière. Mais c'est vrai que ce n'est pas de l'écriture automatique, quand même, parce que je ne vais pas à l'aveugle, mais les choses se révèlent à moi, se dévoilent à moi dans un déroulement progressif, un peu comme on va en randonnée. Disons que vous voulez aller au sommet d'une montagne, mais vous ne savez pas quel est le chemin. Moi, j'ai le ressenti du sommet de la montagne. C'est plus une atmosphère ou une image, mais à moi d'inventer le chemin. Et le chemin, il s'invente par l'écriture. Alors, c'est difficile de raconter ce texte, hein. On va essayer de poser quelques briques de compréhension. J'ai envie de dire, le définir par quelques expressions, c'est un jeu de pistes pour le lecteur, c'est un millefeuille à la fois temporel et spatial, c'est une enquête, c'est un texte fragmentaire où interviennent plusieurs personnages, c'est un texte très technologique et très archaïque en même temps. Donc voilà, il y a une espèce de mélange, comme ça c'est un livre total, j'ai envie de dire. Alors peut-être préciser quelques points, il est question d'un lieu, j'aimerais bien qu'on en parle de ce lieu, qui aimante en fait plusieurs personnages, et ce lieu, il est traversé d'histoire. Peut-être vous laisse en dire quelques mots, Pierre. Volontiers. Pour moi, c'est vrai, j'ai eu il y a quelques semaines cette mémoire d'un,
le résumé que donnait Wim Wenders de son film Paris, Texas, et qui, curieusement, est un peu le négatif de ce que j'ai écrit. C'est pas du tout Paris, Texas, mais lui, il disait, c'est l'histoire Paris, Texas, c'est l'histoire d'un homme qui surgit du néant au plein milieu du désert et qui retourne à la civilisation. Moi, quelque part, c'est l'inverse. Dans L'Énigmaire, c'est l'histoire d'un homme qui surgit de la civilisation et qui va retourner au milieu de nulle part, là où il n'y a rien. Et c'est là où il n'y a rien, en fait, c'est à la fois, ce roman, c'est à la fois un huis clos technologique, parce que les 42 chapitres qu'il compose, ce sont des phonocopies, c'est-à-dire, c'est un terme que j'ai emprunté à Antoine Volodine, ça, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Des phonocopies, c'est un enregistrement sonore, audio, d'une forme de journal, on dirait, intérieur de chaque personnage dans le roman. Donc, il y a 42 chapitres, mais il y a à peu près, je ne sais pas, 4, 5, 6 personnages qui s'entrecroisent, qui se rencontrent, surtout trois principaux. Et c'est aussi un voyage au cœur du terrestre. Donc, on est entre la technologie, on est un petit peu plus loin dans le siècle qu'aujourd'hui, et en même temps, on est un peu en arrière, bien plus en arrière, puisque le lieu, pour moi, je dirais, le personnage principal, vous l'avez évoqué, c'est ce site, c'est ce lieu qui est nommé la zone rouge militaire. Les zones rouges militaires, c'était des lieux qui étaient intensément bombardés et qui, à cause des stigmates technologiques, mais aussi de pollution, puisqu'on sait qu'il y a des millions encore d'obus qui sont sous terre et qui libèrent du percate des arseniques, des éléments chimiques qui constituent encore un écocide. Eh bien, tous ces éléments-là font que la zone rouge est interdite au public. C'est des villages qui sont souvent rasés. Au moment où on commence un peu dans mon roman, on est un peu plus loin dans le temps. Et cette zone rouge-là est un lieu de randonnée pour un spatien. C'est un spatien, c'est le premier homme qui est né dans l'espace. C'est Laszlo Asensio, il a 22 ans. C'est lui qu'on appelle le petit Nemo. Voilà, c'est lui qu'on nomme le petit Nemo, puisqu'il il a grandi à bord de dans l'espace avec les bandes dessinées de Petit Nemo. Et également, ce lieu-là, avant d'être une zone rouge, il y a 200 millions d'années à peu près avant, c'était un lieu désertique où il n'y avait pas la présence de l'homme, mais où il y a eu un impact très violent d'un astéroïde d'un kilomètre de diamètre à peu près. Pour vous dire, ça fait à peu près c'est l'équivalent, quand l'impact atteint la Terre, d'une bombe d'Hiroshima fois 15. Donc vous imaginez, une bombe d'Hiroshima, c'est une tempête de feu, c'est des vents entre 300 et 800 km/h, dévastation profonde avec des modifications dans le sous-sol jusqu'à 5 km. Donc pour moi, c'est intéressant d'établir une zone qui est non seulement dévastée par l'action humaine et technologique pendant la Première Guerre mondiale, puisque c'est le site d'un conflit très intense avec l'artillerie ennemie. Le village qui est édifié là s'appelle Orz, est complètement rasé. Mais avant cela, c'était un lieu qui a été aussi bombardé, mais là, hors action humaine. C'est vraiment la création, je dirais. C'est plus l'univers, voilà. C'est le cosmos qui agit à travers, jusqu'à ce lieu. Mais entre ces deux points-là, il va y avoir dans l'Antiquité, un ancien culte ctonien, donc des divinités souterraines comme Pluton, le Nyx, Perséphone, qui va s'établir là, qui va s'édifier dans cette zone-là, dans le point d'impact. Bien sûr, quand il y aura la chrétienté qui va arriver, ils vont réutiliser ces sanctuaires et édifier une église. Cette église-là, elle reçoit un intense bombardement pendant la Première Guerre mondiale, et c'est là que l'histoire un petit peu de la zone se fige un peu, puisque zone rouge interdite au public, on replante des arbres, on laisse la nature se régénérer, tout en ayant cette charge toxique dans les sous-sols. Et c'est à ce moment-là que les trois personnages vont se croiser, sans vraiment se rencontrer parfois, dans différentes temporalités, et vont se croiser dans cette zone-là, puisqu'ils sont attirés, ils sont appelés, ils sont intrigués par cette zone, puisque les gens qui y vont en reviennent toujours transformés, très changés. Il y a par exemple un personnage qui est un étudiant en théologie, qui, dès qu'il revient, a perdu totalement sa foi. Il quitte sa fiancée, il interrompt ses études, et il part un peu comme ça en dérive. Un autre personnage, lui, est pétrologue japonais, il est auteur de poèmes, et quand il en revient, il va écrire un dernier texte de poésie, Cantos du chaos, et puis quitter son milieu familial et devenir une forme de moine en dehors d'un monastère où il invente, il compose des chants silencieux, mais sur des instruments sans cordes, forme de musique un petit peu, on va dire, un peu invisible, voilà, et non sonore. Et puis, ce qui me paraissait intéressant, c'est maintenant que je m'en rends compte, hein, c'est pas avant de l'avoir écrit, c'est qu'en fait, tous ces niveaux qu'il y a,
c'est-à-dire les régions de, je dirais, du de profondeur de l'espace, donc les régions vraiment du haut, les régions du milieu, je dirais la forme, les régions terrestres, là où il y a la Première Guerre mondiale qui s'est passée, et aussi la région du sous-sol où il y a le culte octonien, se rejoignent à travers ces trois personnages, puisque Laszlo, le spatien, celui qui vient de l'espace, qui est né dans l'espace mais qui veut retourner sur Terre, lui, il vient des profondeurs du haut, je dirais. Sylvia Pan, c'est un des autres personnages, elle vient du sous-sol puisqu'il y a eu une dévastation écologique sur Terre. L'humanité a dû se replier sous Terre et elle va surgir du sol pour aller dans la zone. Quant à Nazor, c'est la pianiste et compositrice, troisième personnage, elle, par contre, elle vient de la Terre, vraiment de la surface de la Terre. Et ces trois personnages vont dans cette zone pour être transformés, pour être alchimisés de l'intérieur. Et ils vont tous avoir des parcours très différents. Et, mais là, voilà, c'est, je ne vais pas raconter juste dans les détails de ce qui leur arrive, mais disons qu'ils vont être changés. Est-ce que vous avez investi dans ce texte, j'imagine que oui, le souvenir de lieux comme ça qui vous ont transformé profondément? Oui, totalement. Ça a toujours été une interrogation qui est depuis tôt chez moi, puisque j'ai plusieurs nationalités. Ma mère est irlandaise, française, mon père italien, français. Et en même temps, très tôt, enfant, j'ai été confronté au paysage du Connemara en Irlande. Et ce paysage-là m'a toujours profondément parlé, beaucoup plus que la France, alors que la France est très diversifiée, mais je vis en France. Mais il y a des paysages réellement, comme vous venez de le mentionner, qui vous changent, que vous êtes différent. Dans ces lieux-là, vous êtes plus vous-même. Et d'une manière plus ample, plus forte, plus puissante et plus mystérieuse d'une certaine manière, puisqu'c'est difficile d'analyser ce ressenti-là, qui est à la fois très fort et très physique aussi. Et en même temps, d'essayer d'en parler, de le rendre communicable, de communiquer à autrui. Et ça m'a toujours interpellé. Ces lieux-là qui vous transforment, qui vous marquent. Par exemple, il y a quelques années, j'ai été dans le Yorkshire, justement sur les pistes de Ted Hughes, le poète anglais, qui était à une vingtaine de kilomètres de Haworth, où étaient les sœurs Brontë. Donc, ils étaient à des siècles différents, dans des lieux pratiquement similaires. Et quand on compare la poésie de Ted Hughes, qui est très proche de la nature, qui est très avec des puissances toniennes aussi, et celle d'Emily Brontë, qui est de l'ordre de... On va dans l'exploration du sauvage, on s'éloigne un petit peu des clôtures de la civilisation. Il y a des similitudes. Et ces similitudes-là, le lieu ne l'explique pas tout, mais on explique une partie. Vous avez parlé de poète à l'instant. Le mot de passe qui sert à Laszlo pour communiquer avec son dialogueur, qui est un instrument technique, ce sont des vers de Victor Segalen. Et j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'autres poètes qui sont présents dans votre texte. Tout ça pour dire que c'est un livre... C'est inclassable en termes de genre. C'est un roman, c'est de la poésie, c'est de l'anticipation. Les libraires vont avoir beaucoup de mal à le ranger. Tant mieux, c'est bien de sortir un peu des catégories. Après, voilà, c'est peut-être difficile pour atteindre un public, mais j'ai confiance dans l'œuvre qui va voyager de sa manière à elle et faire son chemin. Maintenant, c'est vrai, j'ai un écrivain et critique qui en a parlé sur Diacritique là, récemment, et lui, il utilise le terme de transfiction, c'est assez juste d'une certaine manière, puisqu'on est dans différents genres. Il y a le conte, il y a le récit archaïque, il y a aussi presque une forme d'oralité dans ces enregistrements sonores, et puis aussi un peu de science-fiction. Donc il y a une multiplicité de genres. Mais dès le départ, ce n'était pas vraiment imposé, c'est l'intelligence intérieure qui choisit ses couleurs, je dirais, qui choisit sa tonalité, et à moi d'être le plus fidèle possible. Eh bien, longue vie à cette transfiction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Merci.